j'accueille Lisa Stansfield. Bonsoir. 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 Alors, Lisa, vous êtes redevenue brune. Yeah, I was never a blonde. Oui, je n'ai jamais été blonde. Every time I looked in the mirror, à chaque fois que je me regarde dans le miroir, je me dis, c'est pas moi, c'est qui ça? Non, c'était pas votre couleur blonde, hein. Vous êtes mieux comme ça quand même, hein. Vraiment. Yeah. Comme ça, on vous reconnaît. Moi, je me souviens de vous. Vous vous souvenez quand vous veniez au Palace dans Lunettes Noires pour Nuit Blanche, vous aviez un petit accroche-cœur comme ça sur le front à l'époque de... Oh, that went a long time ago. Yeah. Oh, ça fait longtemps. Yeah. Eh oui. Pour ceux qui n'étaient pas au Palace avec nous en 89, Lisa Stansfield, c'est ça. Lisa Stansfield, l'âme de la soul anglaise. Eric, t'as loupé. Henri, il dansait, t'as loupé. Ah ouais. Il était comme ça, sur la musique, on en dit un chien en arrière des bagnoles, tu sais. J'ai remarqué. Ah ouais, il est très très beau morceau. Alors, vous revenez avec un nouvel album, il s'appelle The Moment. Et pourquoi avoir attendu 3 ans? J'attends toujours et tout le monde reparle à chaque fois d'un comeback de Lisa Stansfield. Donc je fais des comebacks depuis 16 ans. Chaque fois que je fais un album, je crois que je préfère ne mettre sur le marché qu'un album dont je suis vraiment fière tous les 3 ans, plutôt que de lancer un album médiocre tous les ans. Je crois que je ne serais pas encore là si j'avais fait ça. Très bien. Alors, vous avez travaillé avec le fameux Trevor Horn, qui est le producteur de Tattoo, de Frankie Goes to Hollywood, de Seal. Et l'album, votre nouvel album, est vachement bien. Le premier single s'appelle « Traite-moi comme une femme »,« Treat me like a woman ». Vous allez regarder votre caméra, look at your camera, et vous dites simplement, just say, Magneto Serge. Magneto Serge. Magneto Serge. Oh my God.